vraiment l'intérêt de ce salon, donc c'est de voir les nouveautés de matériel et donc d'amener des professionnels sur le salon avec mon salarié et surtout ça lui permet de voir tout ce qui se fait de nouveau. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin d'un salon comme ça pour voir ce qui se fait au mieux comme chez nous. Le salon des ETA, c'est un salon professionnel. On trouve vraiment du matériel typique à d'autres régions. Tandis que dans un salon autrement, on trouve du matériel pour les agriculteurs. Et ici, c'est vraiment un salon de professionnels. Moi, j'ai une petite entreprise, donc je n'ai que deux salariés en saisonnier. Donc moi, je viens donc seul au salon. Mais si j'avais une entreprise, une grosse entreprise, je viendrais avec tous mes salariés parce que je pense que c'est un bien pour eux aussi. Et en plus, j'ai des collègues qui viennent avec leurs salariés, leurs chefs d'atelier. Et ils apprécient beaucoup hein, ce salon. J'ai quand même plus de 40 ans de métier. Et donc je vais au salon Villepinte, je suis à Innovagri. Dans ces salons-là, on ne nous regarde pas beaucoup. Moi, je suis déçu de ces salons-là, parce qu'ici, aujourd'hui, moi, j'ai pu parcourir les salons, on discute avec les concessionnaires ou les constructeurs. On parle de, donc, parce que dans leur matériel, il y a du bien, il y a du moins bien, il y a des choses qui peuvent évoluer. Je pense que c'est nous les utilisateurs, c'est nous qu'on peut leur dire ce qu'on en pense. Et là, aujourd'hui, ils nous écoutent que sur des salons autrement. Non seulement ils n'écoutent pas, ils ne nous regardent même pas. Moi, c'est leur proche que je fais depuis un certain nombre d'années à certains gros constructeurs.